Europe 1. Pascal Praud et vous. Pascal Praud qui est en direct tous les jours de 11h à 13h sur Europe 1. L'attaque de l'Iran contre Israël ce week-end vous inquiète-t-elle forcément? Craignez-vous un conflit d'une grande ampleur? Le pape a lancé un appel pressant contre la spirale de la violence. Plus de 200 drones et missiles ont été lancés, vous le savez, vers Israël. Sans dégâts d'ailleurs, parce que le drone de fer a été efficace. La vaste majorité a été interceptée sans conséquences graves. Seule une base militaire a subi des dégâts mineurs. Si vous êtes en Israël, vous pouvez pourquoi pas nous appeler. C'est ce qui se passera tout à l'heure avec Jérémy, qu'on a eu régulièrement d'ailleurs depuis le 7 octobre. On l'a eu plusieurs fois, exactement. Et qui est, je crois... Il est du côté de Ashdod. Exactement. Avant ça, je voudrais qu'on écoute peut-être Emmanuel Macron, qui était ce matin sur BFM et qui a réagi. C'est une victoire d'Israël parce qu'ils ont réussi à stopper la quasi-totalité de ces missiles et de ces drones. Seuls 7 ont touché leur sol, avec un blessé. Enfin, le bilan sera fait par Israël, mais donc très limité. La France a été aux côtés d'Israël et sous coordination américaine avec nos amis britanniques, parce que nous sommes sur le sol jordanien. À la demande de la Jordanie, nous avons eu des interceptions en stricte protection et défense à faire dans cette nuit, en effet, de samedi. Mais donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc essayer de convaincre Israël que il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires et puis retrouver un chemin de paix dans la région. Frédéric Hensel, à présent, il est docteur en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. Il est interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier. Chacun a son agenda et l'agenda n'est pas nécessairement la destruction de l'autre, surtout que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un véritable pragmatisme qui domine, en dépit des images et des actions et des nouvelles spectaculaires qui proviennent du Moyen-Orient. On reste pour l'instant encore dans une situation sous contrôle. À Téhéran, je dis souvent que le régime est dirigé par des fanatiques au dernier degré, et c'est le moins qu'on puisse dire, mais pas par des imbéciles. Ce sont des gens qui connaissent les rapports de force. Maintenant, du côté israélien, d'abord, on est quand même soumis à des pressions américaines très importantes, d'une part. D'autre part, on est soumis à des pressions des États arabes modérés, dont on a bien vu, de manière spectaculaire, qu'ils entretiennent une neutralité bienveillante avec Israël, c'est même le moins qu'on puisse dire. Et pour l'instant, au quotidien, ce qui gêne considérablement et ce qui, en fait, traumatise plutôt les Israéliens, c'est plutôt le sort des otages et de leurs soldats qui continuent à se battre à Gaza. Et puis Gilles Kepel, que vous connaissez, qui est professeur des universités, il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. Une attaque qui a été contrée, puisque 99% des missiles de croisière et drones ont été abattus, qui a soudé autour d'Israël une coalition qui ne ménageait pas ses critiques à Benjamin Netanyahou à cause des dizaines de milliers de victimes civiles à Gaza, mais qui néanmoins a marqué pour la première fois que l'Iran prenait le risque, sautait le pas, d'attaquer le territoire de l'État hébreu. Et nous sommes donc avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Mais écoutez, c'est à vous que j'ai envie de demander ça parce que vous habitez Ashdod. Alors Ashdod, c'est plus bas que Tel Aviv, c'est entre Tel Aviv et Gaza. Ce qui est toujours frappant, et j'écoutais ça d'ailleurs ce matin sur Europe 1, c'est que vous vivez au milieu parfois des roquettes, parfois des bombes, parfois des drones, comme ça s'est passé ce week-end. Et qu'une fois que les alarmes sont passées, que vous avez sans doute eu du mal à dormir dans la nuit de samedi à dimanche, ben ce matin, ce lundi, et c'est la résilience israélienne, tout le monde est au travail. Effectivement, c'est le quotidien, de tous les citoyens d'Israël aujourd'hui, de devoir être en alerte. Mais un pays, c'est une économie qui doit tourner et en prenant des mesures, en respectant les mesures de sécurité, il faut retourner au travail et puis ça permet de penser à autre chose et de rester actif aussi. On va rappeler, parce que tout le monde ne nous suit pas d'un jour sur l'autre, surtout que vous avez dû intervenir il y a quelques jours ou quelques semaines, Jérémy. On rappelle votre situation personnelle, vous êtes en Israël depuis combien de temps? Moi ça fait un peu plus de 5 ans que je suis là.
Voilà, vous avez fait ce qu'on appelle votre alia et vous êtes, vous avez des enfants en Israël. Oui, 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 c'est ça. J'ai 3 enfants. J'ai un grand garçon qui habite avec sa maman à côté de Jérusalem et j'ai 2 bébés qui sont à la maison avec nous. Un de 2 ans et demi et une petite princesse de 5 mois, de 6 mois maintenant. Elle a eu 6 mois samedi, ma fille. Bon, et évidemment, Jérémy, une partie de votre famille est en France. Alors, la plus grande partie de ma famille est en Israël et il me reste, bien sûr, j'ai encore des proches à moi qui sont sur la Côte d'Azur, oui, effectivement. Et j'imagine que samedi soir, bah, ces gens-là vous ont appelé. Eh bien, étrangement, non. Ceux qui m'ont appelé, c'est des amis à moi qui ne sont même pas juifs, qui ont décroché leur téléphone à 2h du matin. Je crois que, bah, comme les personnes de ma famille qui sont en France sont un peu âgées, je pense qu'à 2h du matin, ils dormaient. Mais sinon, non, j'ai eu beaucoup d'appels d'amis à moi qui se sont inquiétés. Et même, j'ai des amis à moi qui ont vu en direct, parce qu'ils m'ont appelé en vidéo, et qui ont vu en direct les missiles exploser, les drones au-dessus de nos têtes. Enfin, c'était assez impressionnant, vraiment. Merci, Jérémy. Je vous propose de rester avec nous parce qu'il est 11h56. On va marquer une pause avec le flash et puis ça sera bien, évidemment, de vous écouter à nouveau et de nous rapporter ce qu'est la vie quotidienne en Israël, Michael. Pascal Pro se poursuit en direct sur Europe 1. Pascal Pro et vous, bien sûr. Et pour réagir, appelez-nous 01 80 20 39 21. À tout de suite. C'est Victor Porcher qui sera là cette semaine puisque notre ami Émilie Dez a pris quelques jours de vacances bien méritées. Donc Victor, vous nous donnez les derniers titres. Et Europe 1 célèbre la renaissance de Notre-Dame aujourd'hui, 5 ans jour pour jour après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, quelques mois aussi avant sa réouverture à la fin de l'année. Antoine Bienvaux nous accompagne pour cette journée spéciale. Alors Antoine, on le rappelle, hein, vous avez pu arpenter le chantier et notamment un endroit central qui vous a particulièrement marqué. Oui, direction la cellule d'adéquation. C'est là que tous les mouvements de grues sont surveillés et organisés pour éviter les accidents. Parce qu'à Notre-Dame, 3 grues fonctionnent chaque jour et elles sont tellement énormes que leurs bras auraient potentiellement la capacité de se percuter entre eux. Tout est donc surveillé en direct par David Mbamatondo, le responsable de cette cellule d'adéquation. Cet écran que vous voyez ici, c'est l'écran de supervision qui a pour but de contrôler en direct les mouvements des grues. En temps et en heure, on peut voir ce qui se passe et ça nous permet à la supervision de voir les mouvements des grues et optimiser aussi le grutage qui se fait. Et pour anticiper tout risque d'accident, David Mbamatondo fait chaque matin un briefing à tous les chefs de chantier. Il leur rappelle les créneaux de levage prévus dans la journée, prend en note leurs réservations pour les prochains jours et fait même un point météo, car en cas de vent fort, le levage peut être plus compliqué, voire tout simplement trop dangereux et donc impossible. Merci Antoine Bienvaux. Je rappelle que vous signez avec Caroline Baudry ce podcast Europe 1 exceptionnel disponible dès maintenant. Ça s'appelle Notre-Dame du Brasier à la Renaissance. Et pour le suivre, vous allez sur europe1.fr ou sur l'appli Europe 1. Dans l'actualité également, la communauté internationale qui appelle l'Iran et Israël à la retenue. Dernier pays en date, la Russie. Avant cela, c'était le chancelier Olaf Scholz qui demandait à Tel Aviv de ne pas riposter à l'attaque iranienne du week-end. Donald Trump, premier ex-président des États-Unis devant la justice pénale. Le procès Stormy Daniels s'ouvre dans les prochaines heures, celui où le milliardaire est accusé de paiement à l'actrice X. Objectif, acheter son silence sur une relation qu'ils auraient entretenue. L'ancien locataire de la Maison Blanche risque la prison, ce qui ne l'empêcherait pas d'être candidat à la prochaine présidentielle américaine. Emmanuel Macron fait confiance aux syndicats et, je cite, à leur esprit de responsabilité. Pendant les Jeux Olympiques, le président était interrogé sur le risque de grève alors que les préavis des agents de la fonction publique débutent aujourd'hui et qu'ils courent jusqu'au 15 juillet prochain. Les Français, eux, font bien moins confiance au chef de l'État. Près des 3/4 se disent mécontents de son action selon un sondage IFOP fiducial. Tous les secteurs sont dans le rouge, mais ils sont particulièrement critiques sur l'économie. 88% de mécontents sur la gestion du déficit, 84% sur le pouvoir d'achat et 77% sur la réforme des retraites. Et puis, un mea culpa, Pascal, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les javelots étaient lestés. Oui, ce n'est pas tout à fait exact. Non, ils le seront.
Ils le seront, ils je le crois. Seront, mais c'est surtout qu'on a déplacé leur centre de gravité en 1984 pour qu'ils tombent plus vite vers le oui, sol. Oui, mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils vont encore plus loin et il est question qu'ils s'améliorent aussi. Qu'on décale les tribunes. Donc on va... qu'on fasse sortir les spectateurs exactement, bien sûr. C'est bon. Et j'ai dit que vous étiez là, moi aussi, mais à culpa toute la semaine. Et en fait, vous n'êtes là qu'aujourd'hui parce que Émilie Dez, mais je me disais, effectivement, elle était en vacances il y a quelques jours déjà. Elle prend beaucoup de vacances quand même. Ouais. Alors là, avant que vous partiez, je voulais simplement vous montrer quelque chose, parce que c'est très rare et c'est un vrai document. C'est un document qui, généralement, le fameux. Bon, ça, c'est le cahier d'antenne de Monsieur Liberty. Ah. C'est, ce que, c'est la Bible à côté, c'est rien du tout. C'est la Bible radiophonique. Donc, oui. Je peux vous dire que tout est écrit de ce qu'on doit marquer, de ce qu'on doit dire ou ne pas dire. Et moi, j'ai envie de le piéger, de dire n'importe quoi dessus. Si j'écris des choses, vous voyez, il serait pas content, Monsieur Liberty. Que vous inventiez de nouvelles règles d'antenne. Tout à fait. Par exemple, je vois. Oui, non, mais on pourrait dire ça du lundi au vendredi. Alors voilà, je sais pas. Y a des, tous les lundis diffusés ces lundis, par exemple. Détaillées, oui. Programmation. Bon, là, il y a rien. Y a une page blanche. Vous savez que c'est confidentiel normalement, ça. C'est pas vrai. Si. Ah oui, non, mais attendez, c'est un confidentiel. C'est pas non plus James Bond. Attendez, si. C'est le cahier d'antenne de la maison. Oui. Mais sur les coulisses. Mais pourquoi il est là? Il a été oublié. Mais non, il n'est pas oublié. Non, c'est pour vous. C'est alors, un cahier. Vous êtes censé ouvrir, il me semble. Voilà. Je suis. Mais moi, on me l'a jamais donné ce truc-là. Je suis censé lire ça. Je crois que oui. Monsieur Liberty a compris que vous ne respectiez rien du tout. Donc. Non, mais alors là, ça vous m'étonnez. Hein. Oui, oui. Alors, il faut le suivre strictement. Hein. Je vois citer la marque Europe 1 le plus souvent possible. Bon, ça, vous avez compris. Oui. Bah oui, mais alors, le plus souvent possible, si je dis Europe 1, les gens, ils vont pas rester quand même. Ah bah si, mais c'est le principe du cahier. Oui, bien. Oui, bon. Vous êtes un bon élève. Et alors, regardez, c'est quand même très intéressant ce qui est marqué, hein, parce que Monsieur Liberty, n'oubliez jamais que nous parlons d'abord aux auditeurs. Ah non, moi je rigole pas, c'est mon patron, je rigole pas. Je me doute bien à qui voulez-vous qu'on parle. Non mais arrêtez. Mais non. Bon, parlez à la France entière, Europe 1 n'est pas une radio locale parisienne. Oh non, mais arrêtez, hey, mais c'est confidentiel tout ça. Ah bon? Oui. Bon bah tu parles, franchement, parlez à la France entière. Bon. Et donnez l'heure, comme dans la vraie vie. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Dans la vraie vie, il serait quelle heure? Bah, il est 12, qu'est-ce qu'on dit dans la vraie vie? Il est 12h06, non? On dit comment? Presque midi 10. On dit presque midi 10. Vous dites ça? Presque midi 10. Non, moi, je dis pas ça quand on me demande. Je dis, il est 12h06. Ah oui? En provenance de Paris, Montparnasse, Bon. Faudrait qu'on l'invite, Monsieur Liberty, quand même, parce qu'on parle beaucoup de lui. Vous savez qu'il est déjà venu? Bah oui. Ah oui, mais qu'on le réinvite. Ah, encore une fois? Ah oui, avec plaisir. Oui, oui. Des chefs, parce qu'il y a beaucoup de chefs. Allez-y, lancez l'invitation à l'antenne. Exactement. De manière officielle. Oui. Bon, merci, Monsieur Victor. C'était un plaisir. Dernière chose avec Antoine Bienveau. Je crois savoir de quoi vous allez me parler. Mais oui, parce que ceux qui entrent sur le chantier doivent, alors ça c'est extraordinaire, doivent enlever leurs culottes. On doit alors se déshabiller intégralement et changer intégralement de vêtements. Je sais que ça a beaucoup fait rire Monsieur Guenec quand je lui ai raconté dans Lui, du coup, il a vraiment très envie d'aller dans Notre-Dame. S'il faut se mettre Il faut se rhabiller immédiatement. C'est bon. Non mais ça, c'est étrange. Sérieusement, pourquoi? Effectivement. Alors, on nous donne des vêtements en papier, donc jetables après. Et en fait, c'est majoritairement raison du plomb, puisqu'il y a encore une petite atmosphère de plomb à l'intérieur. Donc, on arrive sur le chantier avec une combinaison, des vêtements jetables. Et quand on ressort, on jette tous ces vêtements et on prend une douche, évidemment, pour enlever. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait, je m'y suis plié. C'est évidemment. Mais les politiques qui vont entrer Je ne sais pas comment ça s'est passé avec voilà, le président. Voilà, de temps en temps. Le président, je ne l'ai pas vu en papier crépon. Il y a des cabines, évidemment, bien cachées pour ce changement. Non, mais lui-même et puis quelques officiels ne sont pas soumis à cette règle. Parce que là, vous n'aviez pas vos vêtements à vous, si j'ose dire. Vous aviez des vêtements en papier. Mes vêtements civils sont restés dans un casier, vous avez pris une photo? Ah non, j'ai pas eu le temps de prendre une photo parce que j'avais pas de téléphone non plus. Vous aviez un slip en papier. Alors, ça c'est la phrase qui a beaucoup fait rire. C'est pas vraiment un slip, il faut préciser, c'est plutôt un caleçon. Voilà. C'est un caleçon en papier. Exactement. Précision très importante. Précision, non mais il faut être précis sur l'info. C'est tout ce que j'ai retenu moi. C'est un caleçon en papier, bon. Agréable à porter, je l'apporte à la précision. J'imagine un caleçon en papier et puis en plus c'est... C'est pas dit que c'est bon. J'ai été obligé de le jeter à la fin, je vous l'aurais rappelé. Oui.
Et quand on met ça, je ne souhaite pas que vous nous l'offriez non plus. Quand on met ça, faut pas avoir de problème digestif, hein. Forcément, oui, caleçon en papier, oui, non, mais c'est pas pratique. Vous comprenez? Écoutez, ben non, mais... vous pouvez éviter. Mais non, mais... 12h08, oui, ce genre de blague. Il y a peut-être des gens qui sont en train de déjeuner, notamment à Morlaix, on est déjà au dessert, je pense. À 12h08, on commence le Queen Yaman, si vous voulez, à Morlaix. Bon, est-ce qu'on pourrait les appeler, nos amis Fabrice Lafitte, pour avoir de leurs nouvelles? Parce que c'est... Voilà, on aime bien, nous, avoir des nouvelles de ceux qui sont là. Ça me ferait plaisir d'avoir Fabrice au téléphone. Comment? Oui. Oui, ça me ferait grand plaisir d'avoir Fabrice au téléphone. Bah exactement, on lui demandera comment il va, s'il a bien voyagé. Enfin, ça fait du bien aussi, hein. Pardon, ça fait des petites vacances. Oui, c'est reposant. Non. Bon, on marque une pause dans une seconde et on va peut-être parler de la prise de parole d'Emmanuel Macron ce matin à 100 jours des Jeux Olympiques, puisqu'il a parlé d'Aya Nakamura. À tout de suite. Et si vous voulez en parler avec Pascal Praud, n'hésitez pas, 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. À tout de suite, en direct sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. Et pour réagir aux différents sujets d'actualité, n'hésitez pas à nous appeler, 01 80 20 39 21. Et on parlera évidemment de Aya Nakamura dans une seconde, mais on était tout à l'heure avec Jérémy de HDOD. Et Jérémy, je voulais savoir comment se passe cette vie au quotidien, même si à chaque fois je vous pose la question et à chaque fois vous me répondez que les gens travaillent, que la vie reprend son cours, que l'inquiétude n'est au fond pas plus grande qu'elle ne l'était la semaine dernière et qu'elle ne le sera la semaine prochaine, et que tout ça fait partie, finalement, de la vie d'être un Israélien en Israël. Ben, c'est exactement ça. Ça veut dire que l'inquiétude, elle est présente. Elle est constante. Vous savez, même quand vous rentrez, moi le soir, quand je rentre dans mon immeuble, sur un des murs du couloir de l'immeuble, il y a des photos de tous les otages qui ne sont pas encore rentrés à la maison. Donc c'est présent, tout le monde, partout. Les gens ont mis sur leur plage arrière des photos des otages qui ne sont pas encore rentrés. C'est constant, c'est partout, qu'on a un état de conscience. Et je pense qu'avoir un état de conscience relativement constant permet d'être moins surpris et de moins vivre dans la crainte. Les enfants, on parle beaucoup avec eux, on est à l'écoute, on a des consignes de sécurité qui sont claires, et étant donné que de toute façon c'est tout le pays qui est menacé, c'est obligé de trouver des solutions pour que le pays ne soit pas non plus replongé dans le Moyen-Âge et que tout le monde soit bloqué, ne puisse pas aller travailler ou vivre, aller à la plage, sortir, aller faire les magasins, faire des mariages, des bar mitzvahs, voilà. Donc, mais il y a cet état de conscience qui est constant, réellement. Sur la télévision israélienne, est-ce que vous avez vu cette image du Parlement iranien, tous ces députés qui, d'une seule voix, crient « à mort Israël, à mort Israël ». Oui, je les ai vus, mais c'est pas nouveau. Moi, je croyais que c'était un best-of qui repassait. C'est récurrent, on sait. Limite, j'ai envie de dire, avec les Iraniens, c'est folklorique. Ils sont jusqu'à aller diffuser des images d'un incendie aux États-Unis en disant que c'était Tel Aviv qui brûlait. Donc après, s'ils veulent, hein. Moi, ce que je vois, c'est les chiffres. Et ils ont envoyé énormément de missiles. Ça aurait pu être un carnage. Il faut être cohérent. Mais il y a eu 99% d'interception. Et il faut saluer, je crois que c'est aussi ça que ressent chaque Israélien, juif ou pas. C'est que Tsahal fait un travail incroyable. Fait un travail incroyable et permet d'être serein un peu plus que ce qu'on devrait l'être en vue de la situation. Ben merci beaucoup, Jérémy. Faites attention à vous. Pascal, si vous pouvez me permettre, je risque de me faire vraiment, vraiment gueuler par ma mère. À chaque fois que je vous parle, elle me dit « Tu lui as pas dit que s'il vient en vacances, il vient à la maison manger un couscous ?» Et à chaque fois, je me fais engueuler. Donc voilà, maintenant, c'est dit. Je suis pas sûr. Ça me regarde plus. Non, mais d'abord, vous remercierez votre mère, bien évidemment. Votre mère qui est... elle est où, votre mère ? Elle est à Ashkelon, ma maman. Elle est à Ashkelon. Voilà. Et d'abord, vous avez vu que le gouvernement français a recommandé... aux Français de ne pas aller en Israël. Hein. Ces dernières heures. Oui, je sais. Voilà, quand tout sera calmé, mais vous êtes le bienvenu chez ma maman pour un couscous. Voilà, comme moi, je l'ai dit. À chaque fois, je me fais gronder, moi, derrière. D'abord, embrassez votre maman. Et c'est vrai que vous avez toute notre sympathie. Faites attention merci à beaucoup, vous. Vraiment, faites attention merci à vous. Merci de votre gentillesse et merci encore au travail que vous faites, vous et vos équipes. C'est parfait. Merci beaucoup. Et ben, je vous remercie grandement. Et c'est vrai que cette terre d'Israël... Mais je suis allé régulièrement parce que
nous suivions à la fois les matchs de l'équipe de France, mais parfois des équipes de clubs. Le PSG avait joué contre le Maccabi Haïfa, l'équipe de France a joué à Tel Aviv. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des souvenirs formidables parce que c'est un pays merveilleux. Il est 12h17, nous changeons complètement de sujet. 11h-13h sur Europe 1, Pascal Pro et vous.